Salut les petites chauves-souris! Hello les petites chauves-souris, je vous retrouve à la pause méridienne. Ce matin, j'ai pas chômé. J'ai tourné une vidéo pour ma nouvelle rubrique Itadakimasu, les recettes de cuisine japonaise. Et je vous ai fait un plat complet. Un repas complet, hyper réconfortant parce que là, on a eu une petite journée d'automne. Après avoir eu un peu de soleil hier. Et donc, je me pose 5 minutes pendant que mon mari étudie dans le bureau. On vient de finir de manger. Et je me pose 5 minutes pour la pause méridienne avec un petit café que je vais renverser partout. J'en ai partout. C'est pas grave. Et mon tricot. J'en suis là. Donc j'ai séparé les manches et je suis en train de descendre doucement mais sûrement. En fait j'avais un écheveau. J'ai un seul écheveau de ce coloris là et j'ai deux pelotes de mohair plus 8 grammes qui me restaient de mon Gatsby. Et donc de ma première moitié d'écheveau, il ne me reste que ça. Petite boulette là, donc je pense dérouler le corps de mon comment il s'appelle, de mon Rokiti jusqu'à avoir fini ce petit peloton là, et ensuite je ferai les manches et je ferai le col, et après je continuerai le corps avec ce qui me reste pour vraiment utiliser au max du max. Du max, du max. Donc voilà, un petit Rokiti. J'étais pas sûre de mes coloris, mais vous êtes plusieurs à m'avoir dit en commentaire, et je vous remercie, que non, ça choquait pas, et que au contraire, avoir un côté un peu neutre, le bleu marine qui fait presque noir là, neutre, et le bariolé du mérino, ça ne vous choquait pas. Donc écoutez, je vous écoute. De toute façon, ça fera toujours un change dans ma garde-robe. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais moi je tricote en 3,5 parce que 3,75, vu que je tricote l'âge, ça va être assez déjaugé. Et en fait, heureusement que je tricote pas en 3,75 parce que là j'ai vachement de 3,5, j'ai vachement d'espace quoi. Je pense que si j'avais voulu avoir un échantillon moins lâche, je l'aurais tricoté en 3,25 voire 3,5. Comme pour ma première version, je fais pas les trous sur le côté parce que je trouve pas. Enfin, j'ai pas trouvé une façon jolie de les faire, donc j'ai abandonné l'idée. Bon, je vais aller nettoyer le café. Ouh, on voit les chips. On cache les chips. On voit le bordel. Les chips ou le bordel. Le bordel. Je vais nettoyer le café et je vais aller me poser avec des podcasts. Là, j'ai plein de podcasts à rattraper. J'en suis où? Je viens de regarder l'épisode de Miss Manio Naturel. Je viens de regarder Bulbe Bizarre. Je suis en train de regarder le vlog de Irina Pauline. Et là, il me reste après toutes les vidéos après. Donc j'ai Lauriane de l'eau demoiselle. Je sais plus, j'en ai pas plein. Donc je vais aller me mettre. Famille, voyons Pépère. Famille. Famille. Go, bouge, loulou Pépère. Loulou Pépère. Loulou Pépère. Hein? Loulou Pépère. Famille. Maman? Oui. Et coucou, je vous retrouve pour faire pour clore ce vlog, pas pour faire la clôture, on fait la clôture ici, de ce vlog. C'était comme un lundi, hein. Le lundi, comme dirait mon grand, c'est ma pire journée, c'est-à-dire que le lundi après-midi, c'est la course.
Il y a le Minouchki qui a l'orthophoniste, tout ça. Et je crois que c'est encore pire le mardi, parce que le mardi, il y a karaté et c'est encore plus la course. Donc voilà, petite journée toute douce, tout en reprise doucement. Les garçons sont crevés de la reprise. Donc on va aller à la douche et au lit. Une soupe et au lit. Voilà. Bah écoutez, je vous dis à demain et je vous embrasse et bon tricot. Ciao. Thank you.